c'est Maman Célestine Meigny Rosanne. Je suis de la main noire, en particulier de Bafou. Et j'assiste à cette croisade, c'est la deuxième fois. Parce que j'ai été à Bafou. J'ai toujours sollicité aller du début jusqu'à la fin. Parce que j'ai compris que ma vie ne peut pas dépendre de moi-même et m'amener loin. Elle doit dépendre de l'Éternel. C'est pour cela que j'ai pris l'engagement de le suivre en esprit et en vérité. Et à Bafoussam, quand j'ai assisté à cette croisade... Pourquoi, maman, tu as décidé de laisser les choses aussi? J'ai décidé de laisser ces choses. Pas seulement maintenant, je me suis préparé depuis. Voilà. Mais je vois que... c'est pas la finition maintenant. Le Seigneur a préparé le prophète Kinship pour qu'il vienne me délivrer et ma famille. Et je donne comme témoignage ces choses que mes ancêtres ont implantées. Ils nous ont poussé au manque de mariage. Voilà. On aime les hommes, ils ne nous aiment pas. Voilà. On nous pousse en prison. Voilà. Ça nous a poussé aux dettes. Tu ne fais que t'endetter. Et tu ne vois pas ce que tu fais avec l'argent. J'ai été sous détention provisoire en prison pendant 3 mois. Les dettes, et je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Ces choses m'ont poussé entre les mains des Rosicruciens. J'ai failli perdre tous mes enfants. Ces choses ont empêché que je ne vienne la grande dame que Dieu a créée. Parce que je ne suis pas venu au monde pour être n'importe qui. Je devais sauver le monde. Ces choses ont poussé ma mère. Elle est morte d'une mort tragique. Ma maman est morte à 50 ans. On vient la trouver étendue sur la rigole. Morte, les yeux percés. Hey. Ces choses ont poussé le premier enfant de mon grand frère en Europe qui avait tous les galons dans l'armée américaine. Elle venait sauver le pays et elle est morte sans être malade. Ces choses m'ont fait perdre un génie entre les mains de mon petit frère. Un enfant de 16 ans que mon frère a couché à 18 ans. L'enfant est mort au champ. On a tout au champ, creusé le champ comme les porcs. Elle avait l'utérus percé. On dit qu'elle a avorté. J'ai perdu Rendia et je pleure jusqu'à aujourd'hui. Mon grand frère est mort d'une mort tragique. Finalement, ma maman n'avait même pas la cuillère pour donner à manger à quelqu'un, ni un plat, parce qu'elle a tant sacrifié les chèvres. Elle était de Bansoa, sa mère est de Bamangoum. Moi, en tant que le successeur de ma mère, j'ai sorti au moins 250 000 pour aller ramasser 16 crânes du côté maternel. Je suis venu déposer. Aucun de mes frères n'évolue. Mon grand frère qui est le pivot, le pilier de ma famille, il est en Europe. Il a touché les millions et millions. Il n'est rien. Il n'y a pas de femme chez lui. Où je suis, j'ai accouché avec 2 hommes. Aucun homme ne m'a doté. Et je suis une femme de bon caractère. Et ça me fait mal. Je frappe la main sur la table. Je dis à Jésus, Jésus le roi, tu m'as dit dans Ézéchiel 22, Ézéchiel 22, que je cherche parmi eux une personne qui doit se lever, se tenir, lever un mur, intercéder, afin que je ne détruise plus ce pays. Je me tiens devant la famille de mon père, Péka Michel, son tour le portier, dans les fondations de Tchankangoum Tchankouni, de Bameka Bamenjou, de Bamenjou Bamengoum, de Bamengoum Bansoa Bafou. Je déclare par l'autorité du Christ que non, à compter de maintenant, par l'onction du prophète Tchichip, je m'enfonce à cette situation. Voilà. Regardez-moi une femme capable comme ça. Maman, aujourd'hui, c'est fini. Appelez le nom de la famille. Le nom de la famille. La famille maternelle, c'est la famille Teka, son cœur le pontio. Oui. Mon père est de Bafou, mais ma mère est d'origine de la Mifi. Oui. Bameka, Bamenjou, Bamangoum. Et même une grand-mère qui a fait 3 mariages. Mon frère Marguerite, c'est ma mère qui est morte tragiquement. J'ai lavé ma mère, elle avait chié. Elle avait chié les selles crues. Donc je n'ai pas compris le genre de mot. Amen. Cette famille-ci, aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Moi, j'étais déjà un enfant de Dieu, mais j'étais encore connecté avec les idoles. Quand je parle des idoles, il y a les crânes de mes ancêtres.
Il y a les canaris, les tubes qu'on adore chez nous pour les jumeaux. J'ai constaté que depuis les années que je suis devenu un enfant de Dieu, né de nouveau, rien n'avançait. J'ai beaucoup cherché l'argent dans ma vie, mais je n'ai jamais eu quelque chose dans un compte bancaire. Alors j'ai vu que mes parents, qui ont fondé la tradition, les crânes, les lieux sacrés et autres, ils n'ont rien laissé de bon. Moi-même, je ne gagnais rien de bon. Les gens mouraient sans vieillir. Et les mariages difficiles et tout et tout. Les grands diplômes dans ma famille, mais personne n'est rien dans cette famille. J'ai pris l'engagement de détruire les idoles. Par l'aide du prophète Franck, l'aide de Dieu qu'il a envoyé dans l'Ouest. Et je suis passé à la télévision comme je veux passer maintenant. Pour ces idoles, même le crâne de mon père a été détruit. Et après ça, mes parents, ma famille m'a menacé, même jusqu'au chef du quartier, le village a bougé. Alors que quand nous misérons, nous souffrons dans ma famille, je ne vois pas un chef qui nous vient en aide. Bon, chère population, peuple de Dieu, on m'a menacé, m'a envoyé en prison. J'ai dit, ça ne serait pas la première fois. Parce que je n'ai jamais aimé la facilité, mais j'ai affronté cette prison-là. Alors si j'y vais encore pour Dieu, pour le Seigneur, ça ne sera pas surprenant parce que Jésus-Christ est allé même juste plus que ce niveau-là et il n'a pas mérité. Alors, pour mon témoignage après la croisade de Bavsam, c'est qu'il y a le changement. Le changement, c'est quoi? Me voir vivre avec déjà une réserve, quelque part. Que je ne peux pas avoir une urgence et ne pas gérer. C'est un changement. C'est passé pour Jésus. Est-ce que vous pouvez faire plus d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ? Encore plus. Amen. Et ma famille s'est échauffée, le successeur. On voulait me torturer. Je n'ai pas fait la guerre avec les gens. Je les ai appelés. Le ministère à Douala. On m'a encouragé. Il faut prier. Bon, jusqu'à présent, je vois que la température a baissé. Et cette croisade ici à Chang, je ne savais pas que mes frères, certains devaient venir. Mais je vois d'autres qui assistent déjà. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort. Ensuite, au départ, depuis 2 ans, j'avais un problème de menaces de la ménopause précoce. Je me suis demandé, mais c'est à quel moment que ça se passe ainsi? Quand j'assistais à cette croisade à Bavsam, j'étais à 3 mois sans saigner. C'était la main de l'ennemi. Le deuxième jour de la croisade, dans la nuit, parce que Apocalypse a agi à Bavsam, je témoigne devant mes frères et sœurs. Et la même nuit, la deuxième nuit de la croisade, j'ai commencé à saigner. Et j'ai saigné 7 jours, comme si on m'a égorgé la poule. Et le saignement a continué normalement. Avant que la croisade ne commence ce mois-ci, le même problème a commencé. Et la deuxième nuit qui était hier, le saignement encore s'est encore déclenché. Ça veut dire quoi? La main qui veut se montrer puissante sur mon corps. Et mon Dieu est en train de dire, mon corps n'est pas pour moi, ni pour l'ennemi. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et tant que je le sers, en esprit, en vérité, le diable n'a pas pouvoir sur ce corps. J'ai la domination sur lui. Même sur les Rosicruciens, les francs-maçons, les rotariciens, les millionnaires, les vampires, les vampires. Parce que celui que je porte est plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu dois te vanter comme moi, frère et soeur. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut se lever et acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Et faire un maximum d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut opérer ce genre de miracle. Madame Meni, avant que vous ne décidiez de mettre fin à l'adoration des idoles dans votre vie en brûlant tous ces instruments, est-ce que vous pouvez encore reprendre en expliquant au peuple de Dieu comment était votre vie spécialement? Homme de Dieu, merci pour cette opportunité. J'ai constaté que dans ma famille, il y a des belles filles, mais le mariage n'est pas facile. On ne se mariait pas facilement. Et même quand une fille supporte chez un homme, elle supporte.
Elle fait tout pour se sacrifier, ça ne donne pas. Alors, j'ai observé et j'ai constaté. Ma mère était morte d'une manière très tragique, alors qu'elle a fait presque toutes les traditions qu'il fallait. Les chèvres, elle a donné par-ci, par-là. Les marabouts, ma babsam, tout ça, elle nous conduisait. Mais sa mort m'a permis de réfléchir. Et quand j'ai réfléchi, je n'ai pas pu décider. Après, les morts précoces, deux enfants dans ma famille, une fille à l'étranger, qui avait tous les galons, portait tous les galons à quoi de la gendarmerie de l'Europe, et une fille de 16 ans. Ça m'a fait mal. J'ai dit, pourquoi les gens meurent tragiquement, sans accomplir leur mission, alors que tous les crânes et les idoles, nous ne cessons d'adorer. Voilà la raison. Et quand j'ai commencé à prendre autorité, j'ai envoyé ma propre fille en mariage. J'ai décoré les voitures à Yaoundé. On a fait pim, 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 parler encore. Et pas après, avec tout ça, je n'ai jamais vu le probatoire technique dans ma famille. J'ai eu le cap, le probatoire technique, le bac, c'est mon enfant. Je n'ai pas encore vu un petit-fils qui a la licence dans ma famille paternelle. Mais mes enfants, licence, bac B, bac D, bac C, c'est la gloire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, viens avec moi, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'était la parole que Jésus-Christ a donnée à Nathanaël et à Marthe. Il a dit, viens et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oui, maintenant que le Seigneur Jésus-Christ a intervenu dans votre famille, après votre grande action de briser complètement l'idolâtrie dans votre famille en éradiquant tous les crânes et les écorces et tout ce que ça comporte, pouvez-vous nous lister les bénédictions immédiatement qu'il a déversées sur vous et votre famille? Oui, homme de Dieu, je prends déjà l'exemple pour la concrétisation du mariage de ma fille qui s'est passé dans la paix. Alors que depuis que je suis née, je n'ai jamais vu comment célébrer un mariage dans ma famille. C'est déjà ça. Et ensuite, j'ai dit une chose. Je me suis battue beaucoup financièrement. Mais ce n'était pas facile quand un problème de 5 ans arrive et je débloque pour résoudre. Voilà, ça change. J'ai déjà témoigné. Et ensuite, il y a ce problème que mes frères, je sens déjà la paix même dans ma famille. Et après avoir brûlé les idoles, ils se sont trop agités, croyant que j'ai pris tout ça pour aller pratiquer. Mais ils comprennent déjà que le Seigneur veut que nous tous, nous soyons libérés dans la famille. Parce que grâce à ces idoles, beaucoup d'obstacles nous confrontent et beaucoup d'échecs. Je fais ça pour libérer ma famille et la progéniture future. Et en regardant Exode 20, j'ai compris que nous étions en train de payer les choses que certaines personnes ont semées. Alors il fallait que, comme Gédéon, que je m'engage, demande la force à Dieu de détruire tout cela afin que la libération persiste jusqu'à la fin. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons encore très fort pour le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire, voisin, je n'adorerai plus. Jamais les idoles. Déclare ça et tu verras s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Nous vous remercions beaucoup pour ce témoignage. Et nous prions que le Seigneur vous fortifie davantage dans la marche avec lui au nom de Jésus. Est-ce que la population de Tchang est là? Est-ce que vous écoutez ce que maman dit? Elle parle en patois.
Essayez très rapidement pour passer le micro à la dame. Elle nous explique brièvement ce que maman nous disait en français. People of God, good evening. I'm called as Azemchor Mary School, and the woman beside me is my faithful mother. What brought us here? She complained that she was stung by a snake in her vision. And when she got up, she was always complaining that there are times that she feels extremely heat. Then at times, her body will be extremely hot. Then she will respire so fast, and I don't know. So I've always been telling her that God will one day see her through. So when she got of this problem, she has always ignored the things of God. She values so much this witch doctor. When they brought her here, because when coming, the leg was tied with a rope because it was so much pain. But when they prayed for her, she danced until I was even afraid of her. Clap for Jesus, clap for Jesus, clap for Master Jesus, clap for Master Jesus. Alors regardez maman, elle exerce son pied, elle a été guérie, elle avait mal au pied aujourd'hui, elle va très bien. Est-ce qu'elle peut faire un peu le sport maman? Fais le sport. Voilà, acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est la fin. Merci maman.
Yeah.
Amen. Amen. Shout the living amen. Criez un vivant amen. Shout the living amen again. Criez les cris de joie. Qu'on s'agenouille pour adorer le Seigneur Jésus Christ. Father, we honor you, we worship you. Maker of heaven and this earth and everything that is in it, we glorify your holy name, for there is no one like you. Only you, Lord Jesus Christ, must be worshipped. In our lives, dans nos vies, in this city of Chang, dans cette ville in de Chang, Cameroon, au Cameroon, and the entire nations of the earth, et dans toutes les nations de la terre, we give you all the glory, Lord. Nous te rendons thank you gloire. For your transformation in this land already. Merci pour ta transformation ici. Thank déjà. You for delivering this land of Chang. Merci de délivrer cette thank ville you de for Chang. Setting your people free. Merci de libérer ton thank peuple. You for blessing this land of Chang. Merci de bénir cette terre de Chang. In your mighty name, Lord Jesus Christ, I pray. En ton nom puissant, Seigneur Jésus, in your mighty name, Lord Jesus Christ, we pray. En ton nom puissant, Seigneur Jésus, nous avons amen. Prié. Amen. 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 Asseyez-vous. Be seated. Et tout le monde, ouvrez vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15. John chapter 15. John chapter 15. John chapter 15. I read to you from verse 7. Are we there? Est-ce que nous y sommes? Jean chapitre 15 à partir de verset 7. Okay, let me read it to you. John chapter 15, verse 7. But if you remain in me, and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Qui est en train de parler? C'est Jésus-Christ, le seul Fils de Dieu. Il est Dieu. Amen. Si vous demeurez en Jésus-Christ, et sa parole dans vous, tout ce que tu demandes sur cette terre serait accordé. Voilà la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci? Ne vous attachez pas aux choses qui ne vont rien vous apporter. Ne vous attachez pas au Dieu du monde. Ne vous attachez pas à la tradition. Ça ne va rien vous apporter. Ça va seulement vous amener à la destruction. Amen. Amen. Bon, le Seigneur Jésus-Christ, avant de dire ceci, il connaît que sur terre, il y aura beaucoup de choses que le diable va venir mettre pour que ça joue un rôle de distraction, pour distraire les peuples de Dieu vers eux. Mais Dieu a donc dit que, quittez de là, attachez-vous, restez dans Jésus-Christ. C'est la seule sécurité pour vos vies. Dis à ton voisin, la seule sécurité, c'est de rester dans Jésus-Christ. Et tout ce que tu demandes sur terre, Dieu va vous donner. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, il y a certaines choses qu'on va parler aujourd'hui. Il y a certains caractères et les activités qui sont dans la vie d'un être humain qui te rend trop attaché à ça. Que tu ne veux même pas laisser. Tu ne peux même pas laisser par toi-même. Et certains même ne veulent même pas laisser cette attitude. Ça devient ton Dieu. Parce que ce qui est entre toi et Dieu, c'est ton Dieu. Amen. Avec ce genre d'attitude, avec ce genre de comportement, on ne peut pas bien vivre dans la présence de Dieu. Par exemple, la colère. Quand tu as trop la colère, le diable va utiliser, parce que la Bible a condamné la colère. Qu'est-ce que la Bible a dit à propos de la colère? Il a dit quoi? Quand tu es en colère, que
le soleil n'est. Que le soleil n'est. Ça sert. Que le soleil ne se couche pas avec cette colère-là. Ça veut dire que quand il y a la colère dans vous, ce moment de colère-là, tu n'es pas avec Dieu. Deuxièmement, la Bible a dit que quoi? La colère ne manifeste pas la justice de Dieu. Anger does not manifest God's righteous purpose. Amen. Donc, quand tu es en colère, sachez que tu as créé un environnement fertile pour que le diable vienne là-bas, il commence à faire ses choses. Et tu regardes, tu vas regarder tout environnement de colère à la fin. Regardez les fruits. La fin de toute colère, est-ce que les fruits sont bons? Voilà. Quand un homme et sa femme tombent en colère, qu'est-ce qui arrive? Soit bagarre, séparation, problème, casser les télévisions, casser ceci, voilà. Est-ce que la colère donc vient de Dieu? Ça vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Il y a les gens qui sont contents que ce qui ne fait pas que sa colère là s'élève. C'est pas ça. Ne fais pas que ma colère là, tu connais ma colère là, non? Ne fais pas que ça s'élève. Tu es content de ce qui n'est pas bon. Tu es juste un idiot ou quoi? Quelqu'un qui ne connaît rien. C'est ça? Ne sois pas content de ce qui n'est pas bon. La colère vient du diable et la Bible nous a expliqué ça dans le livre de Apocalypse, Revelation. Satan came down on earth, filled with rage. Satan est venu sur anger. De colère. Donc la colère ne vient. Satan est venu sur terre avec quoi? La colère. Dieu est venu sur terre avec la colère. Voilà. Il est venu avec la paix. Non, maintenant, qui est venu pour réduire la vie? C'est le diable. Le diable est venu tuer, réduire, ça réduit, non? Voler, ça réduit. Détruit, ça réduit, non? Voilà. Et Dieu est venu, Jésus-Christ est venu pour faire quoi? Pour plutôt donner. Pour faire quoi? Pour donner. Il a dit que quoi? Moi, je suis venu pour te donner la vie. La vie en abondance. Donc ça devient très très amusant que quelqu'un donne sa vie aux choses du diable. Et quand on va te conseiller de laisser ce que tu fais là, peut-être tu vas croire qu'on ne veut pas que tu vis ta vie, tu t'amuses. Non. Est-ce que tu sais que les gens qui prennent l'argent, ils partent boire, ils forniquent, ils couchent avec les femmes de gauche à droite, ils croient qu'ils sont en train de s'amuser? Tu ne t'amuses pas. Plutôt, tu es en prison. Tu es en quoi? Tu es en prison. Ça ne va pas durer, on va te donner le certificat. Le nom, c'est quoi? HIV. Le nom c'est quoi? VIH. Le sida. Et ça ne va pas durer. La fille va venir dire que je suis enceinte. Tu t'es d'abord nourri avant de nourrir la fille avec l'enfant. Alors, tu vois que il y a les choses quand entre toi et Dieu qui ne sont pas bonnes. Tant que tu n'enlèves pas ces choses-là, Dieu ne serait pas content avec vous. Détachez-vous de ça. Je parlais de la colère. Deuxième chose, je parle de mensonges. Même tout à l'heure aujourd'hui, il y a quelqu'un qui était ici là. Hein? Ici. On se souvient comment il causait au téléphone. Tu es où? Je suis à Yaoundé. Elle était assise ici. Attends, le nom de la place c'est quoi? C'est Chang. Nous sommes à Chang, au Yaoundé. Ah. Vous voulez croire qu'on est à Yaoundé? Amen. Donc, vous voyez que il y a les gens qui ont menti jusqu'à ça devient une habitude. Tu manques même, il n'y a rien pour gagner, il n'y a rien même là-bas dedans. Mais le mensonge est déjà dans le sang. Tu t'appelles Mathieu? Non, non, oui, c'est mon nom.
Nous pensons que c'est déjà dans ton sang. Voilà les caractères et les choses qu'il faut être détaché de là. Il y a les gens que, pour aller, il est l'heure de l'église, pour aller à l'église, Ngap, tu es là pour chercher l'argent. L'argent, tu cherches que l'argent. Pour toi, l'argent dépasse tout. C'est pas ça. Quand on parle de l'église, ah, laisse-moi ça. Mon problème, c'est l'argent. Tant que tu fais comme ça, tu es esclave. Tu vas chercher Mélodie, on va prendre. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher Mélodie, on va prendre. Amen. La Bible dit que quoi? Quand la parole de Dieu reste en vous, you become godly. Tu deviens quoi? Pieux. You become when God's word is in you and you are in God, you become godly. And the Bible says, no weapon fashioned against you shall prosper. Their pastor full with anger. Their pastors that lie. Qui mentent. Yes, they lie. Oui, it is the mensonge. And when they lie, il y a la différence. Pasteur et croyant. Il y a la différence entre le mensonge et la sagesse. Ne manque pas et tu dis que c'est la sagesse. People lie and say it's wisdom. Les gens mentent en disant que c'est de la sagesse. Is it not so? N'est-ce pas ainsi? You lie and say it's wisdom. That can never be wisdom. Et tu dis que c'est de la sagesse, jamais. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de rester en lui et sa parole en nous. Quand la parole de Dieu est dans nous, toutes nos paroles deviennent la parole de Dieu. Et c'est à ce temps-là que quelqu'un peut être juste devant le Seigneur. Only the word of God can make us right with God. Il n'y a que la parole de Dieu pour nous justifier devant Dieu. Amen. Another one, envy. Il y a aussi l'envie. Envy and jealousy. L'envie et la jalousie. It is almost going away from the normal believers. It is full now with pastors and the churches. C'est à quitter les chrétiens et c'est maintenant plein dans les pasteurs et les. Another pastor see another one excelling, he will call names. Lorsqu'un pasteur voit un autre exceller, il va lui donner les noms. You call what? Yes. Pastors are the first people to persecute another church that is doing well. Les pasteurs persécutent les autres églises qui prospèrent. He says he takes power from water. He do this, he do this, he do that, he do this. Il fait ceci et cela. Please church. S'il te plaît, s'il vous plaît, église. Don't join. Ne vous associez pas à ceci. Don't do what? Don't join in those kind of discussions. Ne vous joignez pas à ce genre de conversation. Quand tu vois comment quelqu'un parle, il m'a parlé des hommes de Dieu, tu sais ça, laisse ça entre les mains de. Amen. Il y a les croyants maintenant que c'est les porteurs de mauvaises nouvelles des églises. Tu es un messager de mauvaises nouvelles. Tant que tu es messager de mauvaises nouvelles, les choses mauvaises vont s'identifier avec toi. C'est pas ça. Dis à ton voisin, soyez porteur de nouvelles positives. Voilà. Tu quittes. Ha. Tu passes seulement, tu quittes. Ha. Le pasteur là, il faut qu'il fasse quelque chose qui n'est pas bon. Dès qu'il fait ta, tu as déjà porté pour l'autre église. Tu quittes seulement les églises. Toi, ton problème, c'est seulement pour mettre les problèmes entre les pasteurs et les églises. Il y a les gens aussi que leur problème, c'est seulement entre les gens. Commérage, c'est ça? Congo, ça? Tu ne peux pas. Tout. Quand tu te déplaces, tu vas vers une autre sœur. C'est le nom des gens que tu veux commencer à appeler. Tu connais la sœur, tu connais monsieur, tu connais le commérage. Dieu a dit que ce n'est pas bon. Parce que le commérage met le désordre. Ça sème le désordre entre les peuples de Dieu. Amen. Amen. Arrêtez le commérage.
Congosa. Il faut passer ton temps à faire ce qui va t'amener une nouvelle chose dans ta vie. Soyez sérieux et passez ton temps à faire quoi? À faire les choses importantes. Pass your time to dwell in important things, things that will make you prosper in life, things that will get you forward. Dans la vie, ils vont t'amener en avant. People talk about you, don't bother. Les gens m'en parlent de toi, ne t'inquiète pas. But when you are okay with God, mais lorsque tu es okay avec Dieu, move ahead. Il faut avancer. And as you move ahead, et comme tu avances, everything will be okay. Tout ira bien pour toi. You cannot pass your time justifying this, justifying that, just now. You justify what and leave what. À justifier ceci et cela. Qu'est-ce que tu vas justifier et laisser? In Jesus' name. Au nom de Jésus. Dis merci, Seigneur Jésus Christ. Say thank you, Lord Jesus Christ. Levez-vous, levez-vous. Rise up, rise up. Dis Seigneur Jésus Christ. Say Lord Jesus Christ. Que ta grâce me localise. Let your grace locate me. Et que ça change ma vie. And let it change my life. Faites cette prière là. Make that prayer.